John, my first question is, how is Julian now? Not the best, but in better spirits because a decision comes very soon. The decision, I'm told, can go three ways. One is that he can be sent back to Australia, deported back to Australia, so that may happen. I suggest you let translate so she can follow. Alors, première question, comment va Julia? Elle ne va pas très bien, mais elle va mieux, car on arrivera bientôt à une décision. Et la décision pourrait être. Ça peut être trois décisions différentes. Première option, Julianne pourrait être déportée en Australie, donc retournée à l'Australie. The next one is that he can win his case, but the United States will appeal to the Supreme Court of the United Kingdom. Deuxième option, Julianne pourrait remporter le procès, mais les États-Unis pourraient faire appel à la décision auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni. The third is that the United States will win the case, and Julian and his legal team will appeal to the Supreme Court of the United Kingdom. Troisième option, ce sont les États-Unis qui remportent le procès et Julian et son équipe juridique feraient donc appel à la décision à la Cour suprême. Naturally, we hope for the first one. What is the risk for Julian if he is delivered to the United States? Well, it would be the end. Julian Assange has faced the most furious hatred, the most savage, bitter malice, the most unscrupulous calumny, smearing, and scandal for 13 years. If you imagine the nothing will improve upon transfer to the United States, it will only get worse. Question. Quel serait le risque pour Julian si il venait à se faire extradier vers les États-Unis? Réponse, ce serait effectivement la fin. Depuis 13 ans, Julian fait face à une campagne. Il se fait traîner dans la boue, il fait face à énormément d'haine, des accusations calomnieuses et éhontées. Et vous imaginez bien que s'il était extradé vers les États-Unis, la situation ne ferait qu'empirer. Why are the United States and allies so determined to persecute Julian since the revelations have been done? So everybody knows now, and everything that has been published by WikiLeaks and Julian has been proven correct. Not one sentence was wrong. So the message is public, why are they prosecuting and harassing Julian so much? The great and magnificent civil virtues of the 20th century one, the Nuremberg Code, two, the United Nations, three, the Universal Declaration of Human Rights embodied in the Council of Europe. Four, the conventions of asylum adopted by the United Nations in 1973 and embodied in all nation states' legislation. All of these are creations of the European peoples and the people of the world
after the catastrophe of the Second World War. I'll answer in two parts, so that's the first part. Question. Puisque les informations ont déjà été révélées au grand jour, puisque les informations ont déjà fuité, pourquoi les États-Unis et leurs alliés sont-ils si déterminés à persécuter et à harceler Julian, puisque tout le monde est déjà au courant et que chaque phrase de ces révélations a été avérée? Réponse. Je vais vous parler des grandes vertus citoyennes qui représentent notre société, des grandes vertus du XXe siècle. Tout d'abord, le Code de Nuremberg. Deuxièmement, l'Organisation des Nations Unies. Troisièmement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est implémentée et représentée par le Conseil de l'Europe. Et quatrièmement, la Convention sur l'asile, adoptée par les Nations Unies en 1973 et appliquée par tous les États membres. Toutes ces institutions sont une création des citoyens européens et des citoyens du monde qui était nécessaire après la Seconde Guerre mondiale. Et je répondrai en deux parties. Donc. The second part is that the Nuremberg Code has been inverted. So now people who have crimes against humanity are rewarded. Journalists who promote crimes against humanity are rewarded. Publishers, journalists, and writers who expose crimes against humanity are jailed, harassed, and driven to near death. The conventions of asylum are abandoned. The United Nations, a great civic virtue, is derided. All of these happen, all of these, Julian Assange is an icon. So we can see the deterioration in the administration of law, the administration of all of the things, the great virtues of the 20th century. You can see in the persecution of Julian Assange. De nos jours, le code de Nuremberg est inversé, puisque les personnes qui perpètrent des crimes contre l'humanité sont récompensées, puisque les journalistes qui font la promotion de ces crimes et de ces idées sont récompensés, alors que les éditeurs, les journalistes et les écrivains qui exposent à la lumière du jour ces crimes sont emprisonnés, harcelés et presque poussés à la mort. La Convention sur les droits d'asile n'est plus respectée. L'Organisation des Nations Unies, cette grande institution civique, est mise à mal. Et tout ça fait que, de nos jours, Julian Assange est devenu une icône qui nous fait voir la détérioration de toutes ces institutions juridiques et morales et pour lesquelles il est devenu le bouc émissaire.